Mede ku oyana be henyo iya. Mecho a hepe. Ye mekpla si tela do le sister ogbo. Ni me vivre nye vese nye be ada me daga. Mede daga nye vese na. Wa eyi kuna bo anyi me bidiu. Me legbo va me ba glene e tonyo ha. Ova yue oglene pe voa e potole eji lewo wa me legbo me hare de fia wuti legbo be ne me legbo ruhia abatro kwa me le egbo ba dasina wale ma ro kun tunye ba ba sasana ba dasinya man na ji dopo da kamu. Ang bayo ke duna mo adako. Vava sa sa lasro pak pa jie nyo ba. Alia nyo klemi bule hafi o jua. Mava la na nama na mo. Bunti, bunti, je suis Madame Sokpo Agnès. Peut-être même, mais c'est le stress. Et je suis réflexologue. Ma plus grande souffrance dans tout ça, là, c'est d'être seule. D'être seule à supporter l'enfant depuis le bas âge jusqu'à ce jour. C'est ma plus grande souffrance. Et ça n'a pas été du tout facile, pas du tout. Donc j'ai lutté, mais à un moment donné, j'ai pas vu la famille à côté de moi. Bon. Je m'appelle Podofleur Dorcas, épouse Chevi. Et actuellement, ça fait 19 ans que j'ai créé l'orphelinat pour s'occuper des enfants. Je suis la fondatrice de l'orphelinat. Franchement, la vie devient plus dure. Mais déjà, quand j'avais commencé le travail, je travaillais moi-même avec mes bords de ce que je travaillais, ce que je trouvais. C'est avec ça que je nourrissais les enfants. Que non vive mais en bé, mais sucre mais inco, wa nte temba nanyo, et toi ne va kukaba, yo wa nte sucre inco, ta sucre ba di mais ba forfule, ba di vi, ba di vi al vi yo, amandre di vi na vi zebe. C'est d'abord une priorité pour nous, la femme.
Et donc, nous les écoutons d'abord. Quand elles viennent vers nous, nous les écoutons. Après l'écoute, nous nous rendons dans leur milieu de vie pour constater nous-mêmes. Parce que très souvent, quand elles viennent vers nous, qu'elles exposent, elles ne disent pas tout. La forme de violence plus répétée, je dirais, que nous voyons, très souvent, les femmes sont abandonnées par le mari, soit qui est sans travail ou qui est parti à la recherche d'un meilleur en allant en exil. Et la femme se retrouve seule avec les enfants. Parce que l'objectif, c'est de les amener à être autonomes. Les amener à être autonomes et à pouvoir aussi dépasser les souffrances qu'elles ont, qui sont aussi une réalité. Conheto Eza Akoswa Nuelin. Ome Mado Epe Blaton Vove Medivi Amade Vine Tutuban Ledo Pame Winne Amade Guay Makora Lomeredo Pereca Viti Ameve Eo Jiman Machu Mado Pereca Viti Ameto Ye Tonyo Kong King of Adare Tassin Ya Bole Ghana. Kwa mele tasinya gwa la me gbene tasinya mele gbo keke ba do ba me ewo bo tasinya forever gbene la me ba gbene kwa tasinya elu e tonya trova ba konle tasinya gbo ko ba dare elu ku gbo ye mele gbo keke mele aya gbo fu pepa keke e fi o be talking ba din kwa dimi o divio be nya me ba le gbo ke me ba ko fu fo kwa me ju ba chi e gbo kwa me jivi a ma deni. Ama degwa ila lo men vivi ame le gwa aya bubana ta garu me jipibi ye ko enyo ndi pipi bo wo lata ena jipibi le la mene keke ba ba kuna do ame dipo be ma pele n kanti eyi ye ko ile ndi pipi wa na reke me la sinu wa ina me dipo be ma pula do ne chogudwa nchamate ntete ne swasinye ne mate popo evenyo be becho mu ni ti agbe memele ani menya ulu kunyo unde pepe abebe sese me ko imano na kasi agame de ikula mele a alu de ikula mele a pe a me togwa me melo e jaba de wa tule ha ha gai me ye mele e jaba de tule. Le centre professionnel que nous avons à EP, c'est vraiment pour venir en aide aux jeunes filles mères pour qu'elles puissent devenir des femmes autonomes, apprendre un métier, à arriver à se, d'abord donner une dignité à leur vie et puis prendre leur vie à la main. Voilà. Donc là, elles apprennent des métiers, soit la coiffure, la couture, le tissage, ce qui les valorise. Et elles sont maintenant responsables pour s'occuper de leurs enfants parce que la majorité sont des filles mères abandonnées qui se retrouvent seules. I don't know.
J'ai une charmante fille née le 11 juillet 1994. Aujourd'hui, elle a sa licence. Elle se prépare cette année pour sa maîtrise, pour le master. Voilà. Je suis célibataire et avec une fille. Elle est née prématurée avec un poids de 500 grammes. C'était d'abord très difficile pour une petite fille de 25 ans. Mais je n'aime pas la démission. Je me suis dit, je lui donnerai... Elle doit avoir un sens si Dieu lui donne la vie. Nous sommes très heureuses, chère Agnès, d'être chez vous. Parce que l'Observatoire mondial des femmes catholiques de l'UMOFC, Union mondiale des organisations féminines catholiques, va vous écouter et donner de la visibilité à des expériences comme la vôtre, et celle de votre fille, celle de la sœur. Merci beaucoup. Situation qui m'ont fait comprendre qu'il faut accepter ça pour avancer en fait. C'est vrai que c'est pas assez facile, mais c'est pas difficile non plus. Même si quelques jours tu te sens abattu, démotivé par les propos de surtout ceux qui t'entourent, mais je crois que j'ai appris à tenir les coups et à avancer. Do Jesus one. It has never come my man no Igbo. When I go in my van no gamma, I be a clown school for my gatti. Blown you. Tamavano, Pepermuno. A door. Gamaman Ratasin, your barky and Rovalaji, Idua. Gamma may, Nyagakun, Chamiva. Ne. Pepperum.
agama jeje amagbere jere nyere ka jinyu bo ba do gare maye ba ya zoma ya ba dia pa imbe yo ta amazo zo ameya ogbin di maga pona de viojio ta ime ba divia ime basa va divinyoa ime va seba sister hano ado nyambu mava mava sura ado. Christine has now become a baker. She can bake bread, she can make pastries, and at the same time she can make local drinks to accompany the bread and the pastries. That is what she sells now to take care of herself and her children. Our mission there is that we want them to grow in self-confidence. Self-confidence. We want them to know that they can do and they can be who they want to be. Because most of them, their dreams for life got cut off because they couldn't complete school and they had children when they didn't want to. Thank you. Thank you so much. For your four children. Mm. 1, 2, 3, and 4. Four. Baroku nkonyenye Rebecca Agboli. Baroku mochu kwa ikesi afam please. Baroku videkala asinga. Baroku mo school yido form 3. Ayi mabova yemava GV. Ayi nyakulo ntwa mi vale kaka ntwa vakwa. Ayi kuwa mam abe ya hodevia imeba imaja lwa kwa devia ne tanyenta machi akpompo. Baroku ayi mo le dua soro kaka basro bakery. Njivi voa ntete mbaba la sinyo ba efu pote ya kemajia ntete mi ne sonaye bajo eku aventure jo kenye sonaye kwa eke ku aventure ya bejoa eku ba yo ba gbrene yo sokora ba yo ba dile ebe pomi o ba di a bebe sese benina be a ebe aba ejiga ba wa yo ba yin kuto. Gabide pa e ba hun fi ase ifi ya npo be sister ba sister onti o pere nti kaka yin chambale dokun esi egbe na gbe me sister we na vi yan a ma tan do back me do license e me ke yin baba chamba yin to ba hun ebe dope.
Rêve d'enfance, c'est d'aider les enfants démunis. L'orphelinat avait assez des enfants avant, mais les grands sont déjà partis parce qu'ils ont fini leur apprentissage, leur école, ils sont déjà quittés. Actuellement, il n'y a que 27 enfants. Des enfants sont abandonnés, d'autres orphelins. Par exemple, la toute petite que j'avais prise premièrement pour les bébés, pour commencer le travail des bébés, elle s'appelle Blessing. Le dimanche matin, je suis allée la prendre. Donc, elle avait troisième jour quand je les ai pris, je l'ai prise. Et encore, il y a une actuellement, elle s'appelle Sarah. C'est Affaires sociales même qui l'a menée. Et elle n'avait pas de papa, de maman, personne. Elle était jetée comme ça dans la rue et on me l'a portée. Quand elle est venue, elle est infirme. Elle ne s'asseyait pas, elle ne pouvait pas parler. Et avec moi, avec la grâce de Dieu, j'ai fait jusqu'à maintenant, elle arrive à marcher. Donc, quand c'était arrivé dans notre centre social pour solliciter de lait pour le bébé qu'elle avait, elle nous a fait comprendre qu'elle avait plusieurs enfants, qu'elle avait un orphelinat. Et dans notre manière de fonctionner, nous sommes rendus vraiment dans son orphelinat. On a vu les enfants et là, on a commencé à travailler ensemble. Je pense que c'est formidable ce que tu fais avec les enfants, pour l'éducation des enfants de filles qui ont souffert, tant souffert. Alors, congratulations. Merci. Et tu sais que l'Union mondiale des organisations féminines catholiques a une observatoire mondial de femmes. On veut venir chez vous pour t'écouter, pour te voir, aussi comme les travaux qu'ils font les sœurs. Comme ça, on va chercher de vous faire visible à tant de personnes pour qui vous êtes invisibles, avec toute votre souffrance, mais aussi avec toute votre force. Comme ça, on va travailler ensemble. Merci beaucoup. Je suis un peu plus de temps.
tamatia agbonobo ifia majebo wa sevovo ifia dobo ajo ha wa ko duku ko da adaremo aw These women, we realized that they needed the kind of boost that would bring them to be there on their own, to be independent. We wanted to build them up in self-confidence. Na anu hlame be gban ike meje anu agoma me sevevo vo ike me va je goma mo va soro dota doda sivala sinya tamane be anu hlame be ichala tia soro ne po doma ye doda sila no sibe acho me gbala ko po de vi ogbo Kechan no sibe de ke ni chan no vaya ma fa ma tone be chane huno ba o done de bi wa no aduko si sibe le ke chan no egbia Pienso que esta experiencia conmovedora muestra uno de los problemas más serios de las mujeres en África, que es la soledad. Cuando esa soledad se le agrega la discriminación de la discapacidad, la vida se torna muy dura. Pero gracias al trabajo unido de las mujeres, de las religiosas, de la gracia de Dios, esto se puede superar. Y las mismas mujeres se convierten en canales de ayuda, de apoyo, de desarrollo para otras experiencias como estas.